Hey yo les amis, c'est Fritz, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur du Roblox et enfin après quand même une longue attente, moi personnellement c'est une map que j'attendais avec grande impatience, c'est Kitty. Il y a le chapitre 2 qui est sorti. Kitty, vous savez que c'est une map dans le style de Piggy, mais avec vraiment un univers propre à lui. C'est un petit peu cartoon, etc. Avec un chat, une souris, un rat, un petit peu comme à la Tom et Jerry. Du coup, bah, aujourd'hui, on va essayer justement de découvrir ce chapitre 2. J'avais fait une vidéo... Eh bien, parfait. Vous savez quoi? On va attendre que le timer se termine. Moi, j'avais fait déjà une vidéo découverte dessus et j'avais d'ailleurs obtenu la fin du chapitre 1, donc... Tous ceux qui aimeraient bien découvrir la map, n'hésitez pas genre à faire pause sur la vidéo. Vous tapez juste Kitty Fritanda Cool et vous trouverez ma vidéo découverte. Et vous aurez même carrément la cinématique du début et la fin du chapitre 1 pour savoir un petit peu comment ça se passe niveau histoire. Et honnêtement, je trouve que cette map a vachement plus de mérite et j'espère qu'avec le temps, elle marchera mieux que Bacon, dans le sens où au moins l'histoire ici, il y a une histoire, c'est beaucoup plus travaillé, il y a des belles cinématiques. Alors que Bacon, honnêtement, niveau histoire, bah, il n'y a rien. Hein, voilà, on va pas se mentir, il n'y a rien du tout. On va faire play et j'espère que les gens vont voter pour le chapitre 2. Donc voilà, c'est club. Donc moi, j'avais fait le chapitre 1. Non, les gars, non, non, please. Non, mais oh, voilà, et ben, voilà, tu vois, ça, c'est le problème. Mais non, bon, je quitte, les amis. On essaie de trouver le chapitre 2. On va y arriver, j'espère. C'est le problème des parties publiques, malheureusement. Ok, les amis, je pense avoir plus de chance ici. Les gens ont l'air de voter pour le chapitre 2, quoique ne jamais crier victoire trop vite. Ok, c'est bon. Heureusement, ça a été voté. Bon, on va voter, joueur. J'espère juste, s'il vous plaît, que bah, je ne sois pas le méchant. Franchement, je serais dégoûté parce que c'est tellement galère pour trouver une partie qui vient de commencer. Une partie où on va pouvoir voir la cinématique, avoir peut-être la fin, qui sait, je sais pas. Du coup, on va voir. Voilà, donc c'est Minifish qui a été sélectionné comme le méchant, donc ça va. Les soins nos toasters d'aventure. Ok, donc là, on a un chien. Ouf, ouf. Oh, mais c'est Mickey, en fait. On dirait carrément Mickey et genre Pluto. Pluto qui est debout. White Airman. Ok, donc il découvre une maison. Il y a une interférence avec la télévision. What? Attends, ouais, ça va super vite. Ouf. Comment tu veux que je suive le dialogue et je traduise, mec? C'est impossible, vous avez vu à la vitesse. What? Ok, très bien. Hey! Ouf, ouf! Ok, donc c'est Pluton. C'est génial, mec, la ref avec Mickey et tout. C'est incroyable. Ok, donc là, nous avons la souris. Parce qu'on avait été téléporté à un autre monde. Donc, activer la sécurité, le bouton de sécurité de cette maison. There's someone inside. C'est vraiment ça, mec. C'est Mickey et Pluto qui sont là dans le plus grand des calmes. C'est génial. Et du coup, on a une toute nouvelle map. Tu vois, genre, à quel point c'est tellement mieux que Bacon, en fait. C'est tellement plus travaillé. Donc ça a vraiment beaucoup plus de mérite, je trouve, que Bacon. Donc qu'est-ce qui se passe? Attends, qui est Pinky? Oh non, I must go back. What would happen to get back on TV? Bon, par contre, le niveau de dialogue, c'est très rapide. Donc c'est vraiment compliqué pour moi de traduire. Mais souvenez-vous que dans le chapitre 1, eh ben, on avait été téléporté dans la télévision. Et ce qui nous a amené ici, du coup. Attends un moment, il est en train de dormir. Je devrais, je sais pas, faire quoi le plus vite possible. C'est une bonne cinématique en tout cas. Hein. On voit que le mec passe beaucoup de temps à travailler les cinématiques et à travailler l'histoire. Et ça, j'aime bien. Ok, you must, donc tu dois activer le panel de blablabla, sécurité. Ok, donc il y a un truc à faire avec la sécurité pour activer le levier et en gros, sûrement libérer les accès. Ok, du coup, me voici dans la maison et ça commence très très mal parce qu'il y a déjà le méchant qui est là. Donc on va essayer de ne pas se faire choper dès le début. Ce serait quand même cool, hein, on va pas se mentir. Donc, je connais pas la map, c'est mes premiers pas dessus. On va essayer de se débrouiller un maximum. Et peut-être avec de la chance qu'on arrivera à voir le chapitre 2. Donc il y a une grille ici au-dessus. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un triangle rouge. Ok, très bien, je vois. Merde, il est juste là. Il est juste là, il ne bouge pas pour l'instant, j'ai l'impression. On va peut-être en profiter, ils l'ont peut-être assommé. Donc hop, je m'éloigne rapidement. Il a déjà récupéré une clé, lui. Il me suit. Il me suit. Oh. Et merde. Ok, c'est bon, je passe par là. Ouh, heureusement qu'il y a ces petits raccourcis. Hein. Honnêtement, c'est un avantage énorme d'avoir ces petits trous ici. Ça permet de s'échapper assez facilement. Waouh, mais j'ai vraiment pas de chance, moi. C'est incroyable. J'ai l'impression, je sais pas pourquoi, hein, qu'il va me full focus durant toute la game. Allez, c'est parti. On va par là. Et voilà, voilà. T'as quand même pas me chercher des noises, mon pote. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Bon, en attendant, au moins, ce qui est bien, c'est que les autres bon, vont continuer de récupérer tous les objets, etc., etc. Et merde, faut que je fasse gaffe là. Ok. On va remonter en haut, parce que généralement on monte en haut et pas en bas, vous le savez. Allez hop, on va ici. Bon, pendant que je suis en train d'essayer de semer à chaque fois là, le chat, j'espère que mes collègues font quand même du taf là, qu'ils fassent avancer les choses un petit peu là. Descendre ici, ils ont libéré la porte là, c'est pas mal. Et je vais aller par là-bas, parce que je suis pas encore venu ici. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a, ok, il y a une sorte de pince ici qu'on doit récupérer, mais en débloquant les sortes de grilles là, la petite prison.
Ok, il y a en bas également. Ah, on a ça. Est-ce que c'est utilisable ou pas? Ou est-ce que ça a déjà été utilisé? Je sais pas, ça a l'air compliqué en vrai cette map-là. Il y a pas mal d'objets assez intrigants qu'on n'avait pas forcément dans le chapitre 1. Si, c'est quoi ça? Pourquoi il y a des sortes de lueurs là? Ouais, je sais pas, c'est une très très bonne question. Bon, à mon avis, si le triangle vert il était par terre, c'est qu'il a forcément déjà été utilisé. Je vois pas pourquoi est-ce que les gens ne l'auraient pas pris s'ils étaient passés à côté. Il faut quoi? Il faut une clé rouge. Ok, il faut vraiment que j'arrive à trouver les clés, mais c'est pas évident. Donc là, ils ont déjà mis un levier. Ok, ça permettait d'ouvrir une porte, je crois. Mais full trap! C'est un malade, il a mis full trap, c'est impossible de passer là alors. Ok, il y a un truc sur la terre. Ok, ils ont réussi à libérer du coup la clé rouge. Ils avancent bien. Si ça tombe, on va voir la fin et moi, j'aurais rien fait du tout. En même temps, j'étais plus occupé à essayer de semer le chat. Et pendant ce temps-là, eux, bah, récupéraient les objets. Donc là, je pense que j'ai pas vraiment d'objets qui sont dispo pour moi. Donc il y a une clé rose encore. On doit récupérer. Si on a la clé jaune, est-ce que vous pensez qu'elle a déjà été utilisée, cette fameuse clé jaune? Ouais, à mon avis, oui, hein, je pense. Hein. J'ai déjà venu par ici, donc ouais, ça me semblerait trop facile que la clé pop comme ça. Donc très clairement, je pense qu'elle a déjà été utilisée. Bah, c'est pas grave, je vais me balader. Et avec un petit peu de chance, on arrivera à voir la fin de ce chapitre 2. Les gens, là, les collègues ont l'air d'être bien meilleurs que moi. En tout cas, ils ont l'air de bien connaître la map. Moi, n'oubliez pas que je ne connais pas la map, hein, bien évidemment. Ah, le triangle rouge, c'est pour au-dessus. J'espère qu'il se souvient de d'où est-ce que ça se trouve. Mais c'est pour au-dessus, justement. Là, on avait été... Là, il y a full clé. Full clé, attends. Je peux passer par là? Oh, attends, si je récupère la clé là. On va voir si ça fonctionne ou pas. Alors, attention, mesdames et messieurs. Ah non, je peux pas. Ok, j'ai compris, en fait. Tu peux pas passer avec la clé, sinon ça te la fait partir. Ok, je vois, pas de problème. Attends, où est-ce qu'il est, le chat, là? Il est là, le chat, ok. Je passe par là. Est-ce que c'est bon, là, à ce moment-là? Non, ça me remet la clé à chaque fois au début, mais c'est pas possible. Donc je peux pas passer par là. Ok, donc il faut trouver un moyen en fait de désactiver le champ de force. Et pareil, si je prends ça, je suppose. Si je prends le triangle rouge, eh ben ah non, le triangle rouge, je peux le prendre. Ok, je sais à quoi il sert. À mon avis, celui qui l'avait s'est fait tuer. Donc on va essayer de monter en haut, les amis. On va essayer de monter en haut avec le triangle rouge. Et avec de la chance, eh ben on arrivera peut-être à débloquer la porte d'en haut. Alors, attention mesdames et messieurs, je crois que c'est là-haut normalement, pas ici, je me fais poursuivre, hein. Je pense, pas de doute là-dessus. Ok, alors attention, est-ce que je peux mettre ça? Et oui les amis, je peux mettre ça, parfait. Du coup, non, il m'a pris ma clé rose, mais c'est pas possible. Pour une fois, je faisais quelque chose moi, mais je peux débloquer l'accès ici, c'est parfait. Alors ici, il y a quoi? Il y a un énorme levier, et pour ça, il faut le triangle vert. Ok, non, avec ta clé rose, tu ne pourras rien faire. Voilà, si tu m'avais laissé ta clé, je savais plus ou moins où aller. Ok, donc là, il faut la fameuse pince qui se trouve dans la grille, la cellule. Donc, elle est bloquée. Il ne reste pas là, mec. Enfin, ça sert à rien. Voilà, je n'ai pas l'outil adéquat. Attends, si, j'ai peut-être le triangle vert, en fait. Ah, mais si, j'ai le triangle vert, mais je savais pas. Depuis quand je l'ai? Depuis quand je l'ai? Je savais pas. Ok, bon, bah, tant mieux. Finalement, je suis pas si inutile que ça hein, pour cette game-là. Alors, ici, il faut quoi? Il faut une clé grise. Très bien, je vais redescendre par là. Pour l'instant, ça va avoir de la chance avec le chat. Il est pas trop dans les parages. Du coup, on va en profiter. J'ai l'impression qu'on est plus que deux avec le collègue là, non? Je sais pas. On a beaucoup qui se sont fait avoir. La petite porte. Il y avait rien ici. Ok, si, il y a une cellule. Très bien. Il y a plein de cellules dans ce chapitre. Donc, nous, ce qu'il nous faut, c'est vraiment ça. Mais je vois pas trop comment est-ce qu'on pourrait débloquer ça. Ah, peut-être avec la petite pince qu'il a. Attends. Il a un truc dans les mains qui peut être intéressant, je pense. On va passer par là. Je le suis, hein. Il connaît peut-être mieux les bails que moi. La fameuse clé rouge qu'on peut clairement pas utiliser pour l'instant. Tant qu'on n'a pas désactivé le champ de force, ça sert à rien. Il y a beaucoup d'étapes, par contre, à faire. Donc, je suis pas sûr qu'avec le temps qu'il reste, je suis pas sûr qu'on aura le temps de finir. Mais en tout cas, on aura quand même bien avancé dans la map, ça, je pense. Le chat, il est en train de péter un plomb, mec. Laissons-le dans son délire. Papa. Mais en fait, ouais, ça avait servi à quoi, là? Le gros levier qu'on avait activé, il a servi à quoi, en fait? Donc, c'était pour en bas, ici. On va suivre le câble. Le câble, ok, ou c'était pas par là? Attends, ah, c'était peut-être cette pièce-là. Parce que cette pièce-là, c'est la première fois que je la vois. Donc ça ne m'étonnerait pas en fait qu'il y avait une porte ici. Ah, mais il faut... C'est pas une clé jaune, il faut une sorte de prise. Oh, une double clé. C'est bizarre, il y a des objets assez étranges, je vais pas te mentir. Perdu là, concernant les objets de cette map. Ouais, non, on revient ici. Bah, je pense que c'est l'autre qui a forcément un objet sur lui. Là, il y a la clé jaune. On peut tester, hein. Mais je pense pas, hein, c'était pas ça. C'était pas vraiment une... Oh merde, c'était pas vraiment une clé en fait. Il est là ou pas? Oh putain, il est juste là. Oh, je crois qu'il a été assommé en fait. Oh là, la galère. Attends, je vais attendre ici avec un peu de chance, il va ouvrir la porte. Est-ce que lui, il a réussi à trouver le moyen de désactiver tous ces bails là ou pas? Je suis pas sûr. Et cette porte là, il y avait quoi derrière? Ah, en fait, il faudrait réussir à activer ça. Il est toujours là, le Kitty.
Non, va pas là-bas. Va pas là-bas, frérot. Va pas là-bas, il est juste là, fais gaffe. Eh merde. Oh là là, la galère. Wow. Pas ce qui s'est passé, donc c'est pas ça, on est d'accord que c'est pas ça. L'objet que j'ai là il sert à rien, on est d'accord, il sert vraiment à rien. Donc il faut que je lâche cet objet, il nous reste qu'une minute trente, c'est dommage. Il faut une batterie, enfin il faut une pile. Ouah, c'est abusé le nombre d'objets qu'il y a, c'est incroyable. Ok, on passe par là. Ah là, la clé jaune. Ensuite, faut faire quoi? Ouah, il faut trop de trucs. Mais par contre ici il y a la clé grise. Donc on peut prendre la clé grise. Voilà, parfait. Clé grise qui servait pour où encore? C'est une bonne question, c'est une bonne question. La clé grise, la clé grise. Là, il y a la fameuse pince. On a désactivé le champ de force, en fait. On a fait plein de trucs. On a fait plein de trucs. Il faut que la clé rouge, il faut l'emmener en haut. Ah, oh, mais en 30 secondes, on n'a pas le temps. C'est dommage, hein. On aurait eu plus de temps, on aurait réussi. 100% on aurait réussi. Super grand, la map. Putain, quand tu connais pas bien, c'est vraiment chaud, quoi. C'est vraiment, vraiment chaud. Bon, lui, il est un peu con. Il est bloqué, tu vois, donc tant mieux. Ok, bah non, il reste 4 secondes, de toute façon. C'est la fin de la game, les amis. Et c'est dommage. Bon, en tout cas, c'est une bonne découverte. On a presque réussi. Mais comme vous pouvez le constater, c'est assez long, il y a pas mal de choses à faire, donc je pense que c'est mieux pour moi que je fasse ça en live avec vous. Il y en a peut-être qui auront déjà terminé le chapitre 2, ça permettra à moi d'avoir plus de facilité à avoir la fin. En tout cas, j'aime toujours autant cette map, l'univers de cette map. Il y a vraiment du challenge parce que c'est très difficile, il y a vraiment beaucoup 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 de chance. Mais au moins c'est pas aussi simple d'avoir la fin, et quand t'as la fin t'es content. Surtout que là il y a quand même eu Mickey et Pluto, frère, voilà, je sais pas ce qu'ils font là. Enfin, version Roblox bien évidemment, un petit peu parodique. Mais c'est très sympa, très 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 sympa, très grand donc pas évident. Mais très sympa, j'ai bien aimé. Bref les amis, si vous avez kiffé cette petite vidéo, vous savez bien. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires eh ben, si vous avez apprécié ou non cette vidéo, à mettre votre meilleur pouce bleu. Pensez à vous abonner à la chaîne ici, à la chaîne principale ici, ou checker deux de mes autres vidéos juste ici. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch qui est dans la description et en live. Je vous attends. Bref, prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.